Non, non, c'est un délire, c'est n'importe quoi. C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est pas possible. J'en reviens pas. Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Non mais attends, YouTube, non mais attends, faut que je vous explique. Parce que là, peut-être que vous... Pourquoi j'ai cette réaction? Je vous explique. Alors déjà, un truc assez cool, c'est que c'est le deuxième Shiny que je chope sur vraie console. Mais surtout, c'est le premier live que je fais avec ma Game Boy Advance Capture. Le premier. Donc certes, c'est pas ma cible, c'est pas craque-noix, mais... Je vais vous montrer, attends, ben... Je vais vous le montrer à vous, YouTube. Regardez. Il est là. On voit pas trop bien avec reflet, attends. Comment bien vous montrer ça, en fait? Bon. Je pense que vous devez quand même bien voir le cacnéa rouge, là. Bon, c'est assez compliqué à voir avec toutes les lumières qui est autour de moi, mais... C'est inimaginable! C'est le premier live que je fais! Bon bah, bonjour YouTube, voilà Cacnea Shiny en 7603 rencontres sur Pokémon Saphir et mon premier live avec la Game Boy Advance SP Capture. Oh bordel de merde! Ah, c'est plaisir d'avoir Shiny sur Saphir. J'ai quand même eu Cacnea avant Latias. Et ça, c'est n'importe quoi. Bon, on va le capturer. On fait pas de fausses manips, on prend le temps. Ok. En train de capturer un Shiny sur la vraie console. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le. De faire autre chose que le paralyser. Alors, bien sûr, j'ai recommencé le jeu 98 fois, c'est pour ça que j'ai 98 Master Ball, hein, TKT. Quel ball lui correspond le mieux à Cacnea? Cacnea, ben ce serait. Y a pas de speedball ici, donc Ah, du coup, je partirai sur une Pokéball classique. Ou une Beast-Ball, alors, la Beast-Ball. Allez, on va partir sur une Beast-Ball. Bon, après, taux de capture de 1, parce que j'ai jamais capturé Cacnea. Hop, oh, j'y ai cru. J'y ai cru pendant un petit instant. Bon, après, bon, on va pas se gêner pour le taper. Faut quand même taper un moment. En fait, j'ai à chaque fois peur que les Pokémon aient bélier. Oh, oh, regarde. Ah ouais, ça sert à rien, en fait, il a la vampigraine. Regardez tous les PV qu'il s'est rendu. En même temps, c'est... pas dire son nom, mais c'est que l'horreur niveau 100, quoi. Brrrr! Brrrr! Cacnea! Passe une. Eh ben, let's go. En plus, on l'enregistre dans le Dex. Oh, le Cacnea rouge! Oh, let's go! Ça fait plaisir d'avoir un Shiny après autant de mois. Enfin, un Shiny en live et surtout un Shiny sur Saphir, quoi. Oh, let's go, quoi. On va le renommer. C'est un Cacnea femelle. Mais perso, tous mes cacnéas, de toute façon, je les appelle Kipik. Kipik, je trouve ça un bon nom pour un cactus. Le monde entier
est un cacnir. Ah non, c'est un cactus. Mais hop. Eh ben, let's go. Sauvegarde. Par contre, comment ça, j'ai que 48 heures? Ah mais oui, c'est normal, c'est parce que en vrai, toute l'aventure, là, tous les shiny que vous voyez à ma droite, Charthor, j'ai eu super vite. C'est pour ça que il y a quasiment peu de temps de jeu. Et tous les autres, c'est des soft reset pour les avoir. Eh ben, voici qui pique, le Cacnea shiny. Il est naïf de nature. Capturé au niveau 19 sur la route 111 en random encounter sur la cartouche de Saphir. Et vol vie croissant, vampigraine, jet de sable. On va pas le faire évoluer, je vais le garder ainsi. Et si je trouve un deuxième Cacnea, je le ferai évoluer en Cacturne. En plus, j'aime bien Cacnea. On va le faire briller. La brillance. La brillance, c'est maintenant. Oh, le shiny. Oh, il est oh, il est beau. Hey, je trouve que cette couleur lui va particulièrement bien. Et la baseball en plus. Je reveux une brillance. Une deuxième fois. Alors, je suis pas avec la meilleure qualité, juste vis-à-vis de la capture. Je suis pas sur la meilleure qualité parce que j'utilise mon ancien boîtier d'acquisition HDMI et il est assez mauvais. J'aurais une meilleure qualité si j'utilisais le même boîtier que la Switch, mais devoir switcher à chaque fois. Disons que là, la qualité va. Peut-être juste les petits grésillements qui font un peu chier. Non, il est très très beau, Cacnea shiny. Encore une dernière, allez. Avant de repartir pour 8 milliards de rencontres. En vrai, ça va, 7603, mais on est légèrement au-dessus du taux. Parfait. Bon bah bref, YouTube, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de réaction de shiny. Bon, il a pas voulu fuir, c'est pas grave, au pire, il se fera buter et j'irai le soigner. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, de toute façon ça vous connaissez, c'est toujours le petit blabla du youtubeur. Venez sur mon Twitch, alors je dis pas que je vais refaire des vidéos de réaction shiny toute ma vie, enfin que je vais faire des live chasses tout le temps, mais en vrai j'aimerais reprendre parce que la live chasse ça me fait toujours plaisir. Et pour des moments comme ça aussi, pour ce magnifique Cacnea shiny. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Chiné, salut YouTube.